Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, votre nom se hisse parmi nos héros et martyrs de ce pays. Kimbangu, Lumumba, Mulele, Musée Laurent Désiré Kabila, et j'en passe. Nous en avons tellement que il nous manque souvent les larmes pour pleurer ceux qui nous ont quittés, mais qui nous ont légué beaucoup d'héroïsme et beaucoup de patriotisme. Aujourd'hui, ma famille et mes camarades, nous venons vous rendre hommage, un hommage mérité, un hommage qui nous va tout droit au cœur, parce qu'effectivement, vous vous êtes sacrifiés pour ce pays. Et nous allons suivre vos traces. Nous sommes toujours au combat parce que le défi n'est pas encore relevé. Les ennemis de cet état de droit feront tout pour nous faire reculer. Mais nous, nous allons suivre votre exemple et nous serons là debout pour leur barrer la route. Moi, je vous parle en tant que soldat du peuple. Je suis héritier du grand combattant, soldat du peuple, Pierre Mulele. Je viens aujourd'hui vous rendre hommage, un hommage très significatif, parce que votre fils, un combattant résistant, devient enfin chef de l'État d'un pays où le peuple a été meurtri, violé, pillé, et nous sommes à ses côtés pour que ce combat continue jusqu'à la libération totale. Sortir ce pays de l'emprise néocolonialiste et de tout complot de balkanisation. Croyez-en que nous allons honorer vos mémoires. Encore une fois, un grand merci. Un grand merci pour votre vie. Que votre âme repose en paix. Et comme les communs des mortels, nous vous disons au revoir, parce que c'est le chemin de nous tous. Merci pour avoir sacrifié votre vie pour ce beau pays qui est riche, mais qui profite à d'autres. Nous allons relever le défi et passer le bâton de staffette aux futures générations. Merci.